Le talent du nouveau centre Émilien Gailleton s'exprime balle en main. Le jeune centre appelé en équipe de France est revenu préparer avec la section paloise la réception de Bordeaux-Bègle. Une 10e journée importante, 12e du top 14, Pau doit enchaîner une nouvelle victoire après le succès à La Rochelle. Bordeaux, c'est Bordeaux. Si tu n'arrives pas devant eux, si tu n'as pas prêt, tu vas payer cher. C'est une équipe qui l'année dernière faisait de très bonnes perfs, donc voilà, c'est une très grosse équipe, pas à prendre à la légère. Donc voilà, une équipe massive qui est dans l'avancée, dangereuse. Travail de ligne pour l'attaque paloise, l'équipe déjà battue deux fois à domicile par Toulon et le Stade français n'a plus le droit à l'erreur et doit l'emporter pour confirmer son talent. L'adversaire du jour, Bordeaux-Bègle, fait partie des favoris et s'appuie sur l'un des meilleurs packs du championnat. Nous, on sait que devant, on a une grosse partie à faire parce que c'est une équipe vraiment qui est à la fois très aérienne mais aussi massive, qui a beaucoup de puissance, qui utilise beaucoup les ballons portés. Donc voilà, on a encore une fois un gros défi qui nous attend. On n'a pas fait des bons matchs depuis le début de la saison. Donc ouais, pour nous, ça ferait du bien, mais aussi pour le public et pour les rendre fiers pour une fois. Quoi. La victoire est obligatoire pour Pau, histoire de passer la trêve internationale de novembre sereinement.